OK, nous allons maintenant manipuler notre champ table par programmation, c'est-à-dire insertion des données, la sélection d'une ligne et tout ce qui va avec. Oui, donc je fais d'abord un clic droit. Je m'en vais au niveau du contenu d'abord. Je change le type de remplissage. Hein? Le type de remplissage ne sera plus fichier requête, programmation. Dans programmation, on vous dit utiliser la fonction table ajoute ligne pour ajouter les données dans la table. Je valide. Voilà. Quand maintenant je l'ai fait, je fais clic droit code à l'initialisation de la table, du champ table. C'est là où je vais utiliser ma requête. Alors, ma requête n'a pas de condition. Alors, qu'est-ce que je dis? Je commence par annuler la déclaration, c'est-à-dire, je prépare ma requête. Je dis maintenant, si pas exécute requête, nom de ma requête, H, requête par défaut, alors quoi? Alors, je mets une erreur. Erreur construite. Oui, et nous allons voir dans une vidéo l'utilisation de toutes ces constantes. Erreur construite, je dis problème, par exemple, survenu lors de l'exécution de votre requête. Je mets le point. Je mets détail. Je mets les détails doivent être à la ligne plus. Je mets donc pourcentage 1. Et ces détails sont ici dans H erreur info. Il me donnera exactement ce qui s'est passé comme problème. Et je préfère mettre H erreur complet. Alors, je fais un bip pour ce bip sonore, c'est pour attirer mon attention qu'il y a un problème. Au retour, c'est que je sors carrément de mon instruction, du bloc d'instruction. Alors, si maintenant tout s'est passé comme prévu, je lance la boucle en disant pour tout. Voilà, maintenant je dis. Indice est un entier égal à table ajoute point ajoute. Voilà. J'aime bien ça avec animation. Moi, ça me plaît parce que vous allez voir, ça va s'ajouter avec, c'est-à-dire avec une petite animation. Là, je fais. Voilà. Indice point. Voilà. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de remplir ma table par programmation. Hein? Et il puise les données dans la requête. Donc, chaque ligne sera remplie. Donc, je fais requête.list adresse. Bon, vous pouvez me permettre de faire les copy and paste. Excusez. Oui, maintenant, vous voyez, tout est déjà rempli. Oui. Maintenant, là, notre table est déjà remplie. Qu'est-ce que je fais? Je peux mettre les commentaires là, si vous permettez. Remplissage de la table. Ici, si vous permettez, exécution de la requête. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais faire le tri.
peut-être par ordre décroissant. Pour faire le tri, c'est cette instruction qu'il faut écrire. Tri. ID que je mets entre côtes. Et je lui dis par ordre décroissant. Après, j'annule la déclaration ou je libère la requête. Voilà. Vous voyez, avec ça, tout est terminé. Si on exécute pour voir, voilà. C'est déjà là. Maintenant, on va continuer. Pour sélectionner une ligne de la table, c'est-à-dire sélectionner une ligne soit pour modifier, soit pour supprimer, l'instruction c'est si, c'est-à-dire je teste si j'ai sélectionné la ligne, donc point select égale moins 1, alors retour. Alors, retour. Ça, c'est ça. Maintenant, on va voir si nous l'avons fait. On vient directement ici. Oh, je peux dire, par exemple, info construit. Je dis... l'ID pourcentage 1 de la ligne à modifier attends, je vais dire l'ID de la ligne à modifier est mais pourcentage 1. Ici, je viens donc dire call ID. Table, qu'est-ce qui se passe là? Ah, voilà. Table. Voilà. Maintenant, on teste. On voit ce que ça donne. Ouais, l'ID de la ligne à modifier est 2. Donc, nous voyons que il nous suffit juste ici d'écrire le code qui permet de le faire. OK. Rendu au terme de cette vidéo, il était question de vous montrer de façon par programmation comment remplir le champ table. Et par la suite, nous allons vous montrer comment ajouter les données sur plusieurs formes, c'est-à-dire l'ajout via l'oracle, en faisant du data binding, l'ajout par programmation, l'ajout en utilisant une requête d'ajout. Donc, tout ceci, c'est dans la suite. OK, merci.